Si je comprends bien, tu jouais avec tes frères et tes cousins à sauter dans le foin du deuxième étage de la grange et la planche a craqué et ton bras aussi. Mais tout va mieux maintenant, n'est-ce pas? T'es content? Les gens ici te semblent un peu bizarres, hein? Drôlement habillés. T'es pas certain d'être atterré au bon endroit, hein? Tu veux qu'on aille faire un tour? C'est beau, hein? Oui. T'as envie d'explorer un peu? Vas-y. Je t'attends ici, ne t'éloigne pas trop. C'est vrai que c'est beau. Que d'avancée, que de progrès. Tout l'habillage. Les appareils. Les techniques de soins. Tout a été transformé. Mais je vois bien que la substance première, elle, le cœur, elle semble toujours là. Avant notre arrivée, Coaticook rêvait d'un hôpital. Un rêve bien nécessaire. L'idée avait été lancée au début des années 20. Coaticook n'était pas à la porte. Heureusement, les médecins se déplaçaient jusqu'à leurs malades et les malades se déplaçaient eux aussi jusqu'au cabinet des médecins. Et s'il y avait une opération, eh bien, il fallait descendre jusqu'à Sherbrooke si on en avait les moyens. Ce n'était pas toujours drôle à l'époque de s'aventurer sur les chemins tortueux de gravier, de braver les intempéries, les boues au printemps. Une heure et demie en taxi ou en train l'été. Alors imaginez en hiver. En 1947, grâce au conseil 2106 des Chevaliers de Colomb, avec en tête M. Hubert Rousseau, leur rêve a refait surface. Ces gens ont su rassembler suffisamment de personnalités influentes pour que Coaticook puisse procéder en grande pompe à la levée de la première pelletée de terre et marquer ainsi le début des travaux de son nouvel hôpital le 15 novembre 1952. Enfin, on pouvait se faire soigner à proximité de chez soi. L'hôpital Sainte-Catherine-Labouré, en l'honneur de Sainte-Catherine, une membre de notre communauté. Je suis sœur Germaine Prignot, fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Je suis arrivée ici comme infirmière en 1953. On l'appelait le vrai hôpital. Un service de médecine générale, de chirurgie mineure, 45 lits tout neufs, 15 bassinettes, des services de maternité, de pédiatrie, un laboratoire, une radiologie, une salle d'urgence et la section foyer pouvait accueillir 32 patients. Mais dès novembre 1951, des membres de notre congrégation, mandatés par Mgr Cabana, sont arrivés à Coaticook pour prendre en charge le tout premier embryon de l'hôpital, établi dans la maison Parker, 8 lits. Un laboratoire très modeste, une salle d'accouchement, une pouponnière. Et on y logeait déjà 16 personnes âgées. Et oui, à Coaticook, au début des années 50, on offrait déjà des soins gériatriques. C'est ce qui arrive quand tout le monde met l'épaule à la roue. Oh, je vois que tu as fait 2 belles découvertes. Tu veux qu'on tente de trouver le propriétaire de la valise? Il doit en avoir bien besoin. J'ai quelque chose à te montrer. Tu viens. Oh, bonjour. Comment ça va, ton bras?
Ça va bien. Est-ce que tu voudrais une pomme? Elle est gentille, hein? Ici, en fait, on prenait soin des grands-papas quand les grands-mamans étaient montées au ciel. Tout ce que je reconnais aujourd'hui, c'est le calorifère. Sœur Blanche? Saprignon! Oh, bonjour! Vous êtes revenue dans le laboratoire! Comme je suis heureuse de vous revoir! Oh, et moi donc! Vous avez sûrement remarqué que les instruments se sont quelque peu améliorés. Je comprends donc. Et j'aurais besoin d'un bon recyclage pour venir y travailler. Oui, je suis avec un petit bonhomme. Bonjour, mon grand. Je vois que tu t'intéresses à la médecine. En fait, on cherche à qui la valise appartient. Ah bien, il ne reste qu'à vous souhaiter bonne chance à toutes les deux. C'est au revoir. Gentil. Allez, merci. C'est Saprignot qui m'a initiée au laboratoire. Mon Dieu, que ça a changé! À 15 ans, j'ai vu un film à la paroisse. Et dans ce film, il y avait une sœur à la cornette que nous, les jeunes, nous appelions une sœur volante. Et cette sœur, j'ai été touchée de la façon qu'elle visitait les pauvres et qu'elle prenait le temps de les écouter. Et voilà! Que quelques semaines plus tard, je rencontre une sœur à la cornette sur la rue principale à Quaticook. Je voulais les connaître. Je voulais savoir de quel bois elles se chauffaient. Et c'est alors que j'ai fait mes premiers pas à l'hôpital de Quaticook. Au départ de ma sœur Michaud, c'est ma sœur Jacquemont qui a pris la relève. Elle aussi était une femme très expérimentée et qui a su maintenir le même motif que ma sœur Michaud, celui du bien des malades avant tout. Ces femmes étaient d'excellentes gestionnaires. La preuve, ici au laboratoire avec sœur Germaine, elle nous faisait aiguiser les aiguilles des seringues afin de pouvoir s'en servir de nouveau le lendemain. Imaginez-vous que déjà on s'occupait de la récupération. On limait et stérilisait les aiguilles. Dans le secteur, ici, c'était la salle d'accouchement. D'ailleurs, c'est là que t'es venue au monde. Après 4 filles, tes parents étaient bien contents d'avoir un garçon. Ton papa, surtout. Il venait te voir le soir à 8h30. Les visites terminaient à 9h, mais on faisait des passe-droits pour les papas. Bon. La salle d'opération où on va remettre la valise était dans ce secteur. Regarde, moi, je vais aller voir de ce côté. Toi, va voir au bout du couloir, au fond. Le médecin, par hasard. Mm-hmm. Il est au rez-de-chaussée. Tu vas le trouver? Quand tu l'auras trouvé, dis-lui de venir nous voir, on a besoin de lui. Parfait. Surprise! Bonjour, ma sœur. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on se connaît? Non. Je suis arrivé au centre hospitalier après votre départ en 1971. Monsieur Jean-Nil Drolet. C'est exactement ça. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Je peux vous dire, ma soeur, que les religieuses de votre communauté ont très bien gouverné l'hôpital jusqu'en 1970. Et si je me rappelle bien, 1970 a aussi été marqué par l'arrivée de l'assurance maladie. Ça, c'était toute une avancée, particulièrement pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner. C'est exact. On voyait du même coup l'exode des jeunes, la population générale était vieillissante. En même temps, bien, on développait
des technologies médicales. Et c'était une période de grande transformation. Vous aviez tout un défi à relever. Oui, il nous fallait trouver des solutions de développer des partenariats pour continuer d'offrir des soins et des services de qualité. Puis, si je me rappelle bien, c'est une époque où il vous a fallu aussi fermer des départements progressivement. Malheureusement, on a fermé l'obstétrique, la buanderie, la pharmacie, la pédiatrie, la pouponnière, puis la salle d'opération. Oh, mais je pouvais bien ne pas la trouver! C'est aussi l'époque où nos services gériatriques ont augmenté de façon importante. Les besoins étaient grandissants. Pour les besoins, il fallait faire autre chose. Et puis, on a créé une fondation afin de participer aux achats d'appareils. Je suis vraiment heureuse de constater que, comme hier, il y a des groupes de citoyens qui mettent encore la main à la porte. J'ai adoré ce travail. Ben, après 21 ans de service, c'était le temps de prendre ma retraite. Oh, et parlant de retraite, il faut que je vous laisse, moi. Je suis à la recherche d'un petit explorateur. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Et puis, profitez bien de votre repos mérité. Merci. J'ai eu la chance d'être au monde en milieu urbain, en plein centre-ville. Et dans ce temps-là, les grosses tempêtes de neige, il y en avait beaucoup. Mais heureusement qu'on avait un monsieur Isidore Villeneuve qui avait vraiment un snowmobile là, qui a servi d'ambulance. Il allait chercher les gens dans le fond des rangs pour leur aider. Dans les années 50 et 60, c'était l'entrepreneur de pompes funèbres qui utilisait un de ses véhicules pour l'ambulance. C'est lui qui avait l'ambulance pour nous aider. Bien, après ça, dans les années qui suivaient, c'était un char ambulance qui est arrivé ici. Et ce char-là, il transportait les malades vers Sherbrooke avec la soluté à dehors de la fenêtre de l'automobile parce qu'il n'y avait pas de place. Imaginez-vous le service qu'on avait. Voilà, t'es découragée un peu, hein? Je crois que j'ai trouvé l'endroit où se trouve le propriétaire de la valise. Viens. Prochainement. À 4 ans, j'ai été admis ici à l'hôpital pour une amygdalectomie. Imagine-toi, Louise, tu te réveilles en salle de pédiatrie dans un lit de métal avec une grande cornette blanche au-dessus de toi. C'est impressionnant. Hey, c'est écrit noir sur blanc, le 30 novembre 1955. Ouais. Moi, là, Richard, je suis née l'année de la fondation de l'hôpital de Quaticook. Hey, finalement, là, c'est une histoire de famille, ça, ici. Là. Puis en plus, c'est Gilbert, mon oncle, qui faisait partie de la première équipe. Son implication à l'hôpital a fait qu'il nous a approchés pour venir faire partie de l'équipe. Moi et les deux frères Frenette, Bernard et Bertrand, les jumeaux. Oui. Puis toi, t'es venu te joindre à nous l'année suivante. Ah oui. Et puis, t'en souviens-tu, vous étiez quatre là, à travailler dans le petit bureau de la rue Wellington, là? Oui, c'était très à l'étroit. Puis, mais il fallait commencer quelque part. Puis en plus de sa grande passion pour la médecine, le Dr Germain m'a transmis le flambeau de la direction des services professionnels. J'avais pris ça pour 6 mois, puis ça fait 22 ans, puis je suis encore ici. Tu vas voir, ils vont être impressionnés. Ah. Oh, le beau garçon. Merci, jeune homme. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes médecins. Oui, puis elle, quand elle est arrivée, elle était la première. Hey, ça pourrait être la valise de ton oncle. Et ça lui ressemble. Ah, oh, mais c'est celle plutôt de Dr Caron. Il a pratiqué avec Gilbert longtemps. Ah, regarde. Oui. Ça, je sais même pas à quoi ça sert, en tout cas.
La médecine a fait des avancées depuis ce temps-là, heureusement. Avec tous les examens, les nouveaux examens de laboratoire, les nouvelles techniques d'imagerie, avec l'arsenal thérapeutique dont on dispose maintenant, l'explosion des connaissances qui sont arrivées, la médecine, c'est plus ce que c'était. Hein. La consultation qui était purement médicale au début, avec la mission CLSC et l'arrivée de nouveaux intervenants psychosociaux, je pense que les soins se sont élargis avec les soins, les services dans les écoles, la prévention du suicide, le soutien à domicile, l'accompagnement fin de vie, les programmes de maladies chroniques. En fait, la liste est longue, on pourrait en parler. Grâce à la fusion de l'hôpital de CHSLD et du CLSC, tout un réseau de spécialistes et de professionnels s'est regroupé sur un même toit pour desservir la population. Alors, on y travaille en équipe et les liens sont tissés serrés avec la communauté. Il y a encore plein de défis qui nous attendent. Hein? Puis notre plus grand souhait, c'est de préserver notre philosophie de soins. Notre vision communautaire. Notre identité et puis notre couleur locale. Oui, un souhait qui est partagé par toute la grande équipe. Rester proche des patients, des usagers et des résidents. Tu es rassuré, Samuel? Moi aussi.